La menace, elle existe depuis très très longtemps. C'est-à-dire que, comme vous le savez, vous connaissez l'histoire, c'est en 2019 que cet entraîneur a été effectivement limogé par la fédération, sans tenir compte des différents paramètres qui étaient effectivement de dire quelles sont les conséquences en mettant ce monsieur dehors. Ce monsieur a été effectivement porté plainte. On a reçu les premiers courriers dans lesquels on a essayé de négocier pour voir un peu où était la marge, où était l'erreur, quelles étaient les responsabilités des uns et des autres. Aujourd'hui, effectivement, ça a été le courrier qu'on a reçu, c'est dans 60 jours, effectivement, si la Guinée ne paye pas. L'année passée, nous avons engagé un budget au niveau du ministre du budget pour demander effectivement la possibilité de pouvoir rembourser cet argent qui a été inscrit pour 2023, donc c'est-à-dire dans quelques jours, cet argent sera entièrement remboursé à M. Paul Puig et évidemment à la FIFA. On va finaliser le dossier, alors maintenant on tirera évidemment les leçons des responsabilités, de la responsabilisation de la fédération, parce que c'est bien qu'à chaque fois que c'est le gouvernement qui paye, mais ce qui est compliqué en Guinée, c'est qu'on fait des contrats qui ne sont pas du tout à l'avantage du pays, qui ne sont pas du tout à l'avantage des fédérations. Mais le problème, c'est que les fédérations, évidemment, quand on fait ce type de contrat, comme c'est pas l'impact n'est pas directement sur la fédération, mais c'est toujours le gouvernement qui doit assumer, bon, on néglige effectivement ces contrats. Donc nous, on est en train de vraiment travailler sur la possibilité d'avoir des contrats qui protègent l'État guinéen d'une manière bien concrète et que les responsabilités soient bien définies une fois qu'effectivement il y a une difficulté comme celle à laquelle on est aujourd'hui.